long, comme tu dis, pas trop court. Mais quand normalement, ça veut dire que bon, quand moi j'ai fait. Pourquoi tu es gros? Oui. Et pourquoi gros? Je préfère gros. Oui, gros et fou. Gros et fou. Oui. C'est possible, long et gros. Long et gros. C'est sérieux? Long et gros, comme bien pourquoi? Quoi. Pourquoi? Libre. Là, le... comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Justin et toi? Love. Love. Maïva. Maliva. Maïva. Maëva. Mm-hmm. Maëva. Oui. Ben Maïva. Maïva. Voilà. Avec votre regard là, dites-moi un peu, quand vous êtes en train de faire l'amour là, vous préférez en bas que ça soit long et gros ou court, que ça soit long et mince ou court et gros? Long et mince ou court et gros? Ou court et gros. Si c'est les deux seuls Didi qui existent sur la terre, long, vous choisissez lequel? Ou court et gros. Mmh. Je préfère que ce soit gros. Je préfère que ce soit gros. Et court. Et court, mais pas court, court, genre. Bon, mais ça court. Voilà. Ça dépend du court, mais il faut que ce soit court. Long et court. Mmh. Parce que là, ça aurait plus de sensations. Long et court. Oui, bien sûr. Donc, tu es sorti même du truc, quoi. Elle préfère faire le long et le court. D'accord. Dis-toi la vérité, en fait, si c'est gros et long, c'est bien. Mais il faut faire que ça soit. Yeah, c'est vraiment compliqué. Comment? Explique-toi. Tu vas bien s'exprimer. Ouais, au plus pas. Il faut faire long et gros. Long et gros. D'accord. Oui. Long et gros. Oui. Est-ce que c'était dans le. C'était pas dedans. C'était pas dedans. Comme ça. Julane. Voilà. Salut tous les Bambinda. Toi aussi. Julane. Voilà, les Bambinda. Sentez-vous, salut. On est avec vos soeurs, vos très jolies soeurs là. Donc, je vous donne une question pour vous. Mais déjà, vous n'êtes pas en couple ou célibataire? Célibataire. Célibataire. En couple? En couple. Dites-nous un peu les filles, quand vous êtes en train de faire avec votre gars là, vous préférez que ça soit mince et long ou gros et court? Gros et court? Gros et court. Oui. Et ici. C'est possible, long et gros. Long et gros. C'est sérieux? Long et gros, comme bien quoi. Sors ton livre, on parle. Là, comme ça. Tiens, je vous mets, montre un peu ça. Là, comment? Comme ça. Comme ça. Carrément. Oui. D'accord. Et toi, ici? Ah, un peu long, un peu gros, mais. Ou bien normal. Normal? Oui. D'accord. Normal, c'est-à-dire quoi? Long, gros, comment? Non, normal, c'est-à-dire, ça peut être ici, là, mais pas trop long et pas trop court. Pas mais trop normal, court, oui. Trop long. Normal. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des sensations? Toi qui as commencé, long et gros, là, tu peux nous parler des sensations? Est-ce que c'est différent de peut-être celui qui est court? Il y a plus d'effets, je crois. Plus d'effets. Tu crois comment? C'est ton corps, non? C'est toi qui veux ça. C'est plus bien. Il y a plus d'effets. Et ça, quand je trouve que c'est plus bien. Et, au contraire, le coup et petit là, c'est trop un genre. C'est un genre comment? On aurait dit qu'il ne fait rien. Ah bon? C'est comme si. Oui, on... c'est là, mais c'est pas là en même temps. D'accord, on crie seulement pour crier. Oui. On manque. On manque. Voilà. D'accord, et toi, dis-nous. Bon, quand c'est normal, moi je me sens à l'aise. En fait, je ressens bien ça, mais quand c'est petit et court. C'est comme si je ne ressens rien. Je fais comme si. Bon, je fais pour te faire plaisir. Ah bon? Oui. Normal pour toi, ça veut dire quoi? Parce que nous, on nous a dit que les femmes qui sont skinny, là, généralement, qu'est-ce que gros, là, long? Non, mais normal, moi. Normal, c'est quoi pour toi? Non, trop long, comme je t'ai dit. Mmh. Pas trop court. Mais, quand normal, ça veut dire que, bon, quand moi, j'ai fait. Pourquoi tu regardes ta copine? Elle a dit sa part, on t'a aussi dit ta part. Je ressens ça bien même parce que ce n'est pas trop long et ce n'est pas trop court, donc c'est juste normal. Normal, mm-hmm. C'est ça. Et c'est bien. Et c'est bien. Mm-hmm. D'accord, merci beaucoup d'avoir participé à notre micro-trottoir. Faites coucou à la caméra, au revoir. Bye bye. Merci les filles. Samia. 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 Ok.
Réponds, on a commencé. Pardon, attendez, vous parlez de quoi? Ouais, je sors. Tu préfères quand c'est gros là? C'est quoi? Dis-nous. Gros, long ou court? Merde. Attends, non? Dis-nous là. Non, c'est tout, regarde, c'est tout, ouais. On a presque fini. D'accord. Réponds juste, non. Oui, ça passe. Ouais. Ça passe. Ça passe. Bon, tu peux nous parler un peu des sensations là, à ce moment là. Je peux pas. Désolé. En ce qui concerne gros là et court, tu peux nous parler des sensations. Non. On veut faire la différence entre les deux là. Tu veux que t'explique quoi? Hein? Tu veux que t'explique quoi? Je peux pas. Vraiment, non. Non. Le problème c'est que l'autre qui est gros, tu vois un peu, non. Ça. Ouais. Voilà. Long, gros ou court? Long, gros ou court? Je comprends pas. En bas là-bas, l'engin de ton gars, long, gros ou court? Gros. Gros? Et pourquoi gros? Je préfère gros. Ah, tu préfères quand c'est gros? Oui. Pourquoi? Il y a une différence par rapport à ce qui est long et ce qui est gros? Une différence entre ce qui est gros. Bah, je n'ai pas encore essayé. J'ai choisi gros juste comme ça. De ceux que tu as essayé, on suppose quand même que tu as essayé les longs. Non, pas encore. Tu n'as pas encore essayé. Jamais. Les minces là, tu n'as pas encore essayé. Même pas, c'est la première fois. C'est la première fois. Ah, avec ton gars. Oui. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore essayé d'autres. Et ça t'a satisfait quand même. On peut dire oui pour le moment. D'accord. Tu peux te parler des sensations un peu quand tu fais. À quoi est-ce que c'est différent avec. Tu dis? Les sensations. Qu'est-ce que tu ressens quand le gros là, par exemple, ça rentre pour toi? Tu peux nous dire ce que tu ressens? C'est bon. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Fais coucou à la caméra. Au revoir. Coucou. Bye bye. Merci, merci. Merci les gars. Donc, Anouchka, dis-nous un peu, quand tu es en train de faire avec ton gars là, quelle est la position qui t'a amené au 7e siècle? Bah, en posant grand-mère. Et c'est la seule position que Dieu connaît. Attends, fille, grand-mère. Bien, tu veux aussi répondre à notre question? Non. Attends, alors, fille, grand-mère. Viens, passe alors, là, on passe. Position grand-mère. Oui. Quelle position comme ça? Tu as couché, il est sur toi. Voilà. C'est l'autre là. Mm-hmm. Est-ce qu'on appelle missionnaire là? Oui. C'est ça qui te fait jouer? Oui. Position grand-mère, tu es sûr? Uh-huh. Et pourquoi c'est quoi la position? C'est la personne que je préfère. Je sais que c'est ça que je préfère. Je dis pourquoi c'est celle-là qui te fait. Elle est moins douloureuse.